وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Désintéresse-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Et désintéresse-toi de ce qu'il y a dans les mains des gens, les gens t'aimeront. Nous voyons que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient assidus et ils demandaient la science avec beaucoup d'ardeur. Et ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui leur était bénéfique dans leur religion pour atteindre les plus hauts degrés. Non pas comme les gens aujourd'hui. Quand ils nous appellent pour nous questionner, ils veulent connaître les limites pour s'en approcher au maximum. Même parfois, pour les dépasser allègrement. Alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandaient les hauts degrés. Et quand ils apprenaient les limites, c'est pour s'en éloigner le plus loin possible. Jusqu'au point où ils délaissaient une partie du halal de peur de tomber dans le haram. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.